l'impression d'étouffer. Ça vient soudainement comme une envie de courir, un besoin de partir loin et de ne jamais revenir. Cette nuit j'ai rêvé que je partais d'ici, mais je marchais tellement longtemps que j'arrivais plus loin que le plus lointain des pays. Je rêve d'exode en de Babylonie. Je rêve ce rêve où se repose mon esprit. Mais comment partir alors qu'il reste tant de choses à faire? Comment pourrais-je fuir et vivre sans mes frères? Alors monte en moi comme une irrépressible envie de me battre, de tout virer de la table et de redistribuer les cartes. Cette nuit j'ai rêvé que je partais d'ici, et je marchais tellement longtemps que j'arrivais plus loin que le plus lointain des pays. Je rêve d'exode. Défendre le droit de dire non, non. Ce mode de vie qui nous éloigne de la contestation. Car ceux qui ont changé les choses sont ceux qui ont dit non. Et nous nourrissons d'une terre contaminée. Il n'y a plus qu'à y foutre le feu et puis tout recommencer. Car on a fermé les yeux, on s'est laissé manipuler par de grandes firmes qui ne voulaient que s'engraisser. Manipuler, conditionné par quoi, pour quelle idée? Au nom de cette économie de marché, et les politiques sont devenus de grands VRP au service d'industries qui veulent nous étouffer. Alors sur ce chemin pouvons-nous survivre? Tous les bergers ne sont pas bons à suivre. Car non, nous ne sommes pas que des consommateurs, et non, nous ne sommes pas non plus que des travailleurs. Car dans chaque poitrine il y a un cœur. Je veux brûler tout ça et redonner à la vie sa vraie valeur. Je partais d'ici, mais je marchais tellement longtemps que j'arrivais plus loin que le plus lointain des pays. Je rêve d'exode.